Emma Dobry, on sait ce que tu as fait jusque-là. On sait. Ce que tu as fait pour Kérosène DJ, c'est le business. C'est un business gagnant-gagnant. Aujourd'hui, grâce à toi, le petit Mousse, grâce à toi, il a un nom, puisqu'il était éteint. Si j'ai bonne mémoire, Kérosène était dans le groupe Boulevard DJ. Et on a dansé au son de la musique de Boulevard DJ. Le petit ne se retrouvait pas, mais grâce à toi, il se retrouve aujourd'hui. Le business marche. Il va de succès en succès. Parce qu'il y avait une grande dame qui acceptait de l'accompagner. Une grande dame qui a cru en lui. Une grande dame qui s'appelle Emma Dobré. Qui lui a fait confiance et qui a décidé de le produire. Mais aujourd'hui, le petit, il a un nom. Toi aussi, tu as un nom. Parce que si on connaît Emma Dobré, c'est parce que Kérosène Mousse. C'est parce que Kérosène Mousse, parce qu'on dit, mais pourquoi il mousse? Lui, c'est parce que il avait tel producteur, telle productrice. Toi aussi, il a fait sortir ton nom de l'ombre. C'est une affaire gagnant-gagnant. Et le petit était reconnaissant. Puisque dernièrement, la villa qu'il a eue à Oprimund, il a dit, j'offre cette villa à Emma Dobry, en signe de reconnaissance. Mais ça, c'est très bien. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est reconnaissant. Hein? Il a été reconnaissant. Il dit, cette dame-là, elle a fait beaucoup pour moi. Elle a fait énormément pour moi. Au moment de ma vie, à un moment donné de ma vie, où personne ne me faisait confiance, où tout le monde m'a fui, c'est cette dame-là qui a pris ma main comme ça et qui a décidé de m'accompagner. Aujourd'hui, qui résonne à un nom. Mais ce nom qu'il a là, c'est grâce à toi qu'il a eu ce nom. Mais en même temps, il fait ta pub. En même temps, grâce à Kérosène, on sait qui est Emma Dobry. Kérosène a mis ton business en haut, en haut, en haut. Parce qu'il a annoncé. C'est une affaire, un business gagnant-gagnant. Mais ce que je te reproche, Emma, ce que je te reproche, c'est le fait que tu veuilles mélanger le sexe et le travail. Ça là, faut quitter dans ça. Il faut quitter dans ça. Lâche les baskets du petit. Lâche ses baskets. Tu veux rentrer dans lui et tu veux pas. Mais c'est par respect qu'il ne veut pas. En tout cas, je ne sais pas si vous avez fait, mais en tout cas, le petit dit, il ne veut pas. Ou il ne veut plus. S'il ne veut pas haut, s'il ne veut plus haut, mais lâche ses baskets. Il t'a donné ce qu'il devait te donner. Il ne te doit plus rien. Donc lâche ses baskets. Tu es coulée sur lui comme ça, on dirait femme de nuit. Hein? Un jour. Mon pourquoi dormir? Lâche ses baskets. Oui, chérie, je sais, je sais. Donc voilà. Il te dit qu'il ne veut pas. Lâche ses baskets. Faut le laisser, va fonder son foyer. Il a ses enfants, toi aussi tu as tes enfants. Tu as fait ton foyer. Mais laisse le petit, lui aussi, il va faire son foyer. Il va s'occuper de sa femme. Il va donner tout son amour à sa femme. Tu es trop dans sa vie. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Basta, 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 basta. Basta. Non, affaire où tu veux mélanger le sexe avec le travail là. Là, nous autres, on n'est pas d'accord. Donc là, c'est basket. Voilà. Le petit, il a écrit. Il a écrit. Il dit, à compter de ce jour, j'arrête toute collaboration avec Emma Dobré. Rassurez-vous, ce n'est pas une histoire d'argent. Si ce n'est pas histoire d'argent là-haut, c'est quoi? Si ce n'est pas argent, c'est sexe. Tellement c'est sûr, jusqu'à le petit, finalement, il ne se retrouve pas.
Il ne peut même plus respirer. Elle m'a dobré à gauche, elle m'a dobré à droite. C'est sa femme qui doit être à côté de lui. C'est ses enfants qui doivent l'accompagner. Votre affaire, vous mélangez Baka avec je ne sais pas quoi. Sincèrement, c'est décevant. Tu as bien commencé. Mais voilà qu'aujourd'hui, le petit, il est obligé de se retirer de toi. Il est obligé d'arrêter toute collaboration avec toi. Parce que tu veux mélanger le sexe et le travail. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et tu sais bien comment ça se passe ici. Tu as fait l'Europe. Tu sais comment ça se passe ici. Tu sais qu'avant de signer un contrat, là, avant de signer un contrat, c'est stipulé là-dedans, pas de cesse entre collaborateurs. Tu as vécu en Europe ici, tu sais. J'ai même un ami, pour éviter qu'on sache cela, il a dit à sa petite amie de demander une permutation. Il a demandé une permutation. Sa petite amie a demandé une permutation pour aller dans une autre ville. Elle est toujours dans la même société, mais dans une autre ville. Ils sont mariés légalement, ils sont dans la même société, mais ils ne peuvent pas être dans le même endroit. Je vous dis, les amis, vous voulez que votre business prospère. Vous voulez que votre business aille loin. Ne mettez pas le sexe là-dedans. Ne mettez pas le sexe là-dedans. Parce que la plupart, certains Africains, certains, je dis bien certains, ils ne peuvent pas s'en passer de faire ça. Même pour employer quelqu'un, il faut passer par là. Mais comment vous voulez que votre société prospère? Comment vous voulez que votre société aille de l'avant? Ça ne peut pas aller de l'avant. Dès qu'il y a le sexe, même tout est bafoué. Dès qu'il y a le sexe, c'est comme de l'amusement. On ne prend pas la chose au sérieux. Le travail, c'est le travail. On n'a pas besoin de mélanger le sexe avec le travail. Donc, Emma Dobré, lâche les baskets du petit. Il ne veut pas de toi. Il ne veut pas de Mungu. Donc, laisse-le. C'est ce que nous autres, on avait à dire. Hein? Parce que même si tu l'as accompagné, même si tu l'as aidé, et à un moment donné, aujourd'hui, le petit, il ne tâtonne plus. Il tient sur son pied. Il est autonome. Je pense qu'il est temps maintenant que tu le lâches. Mais comme lui, il a été assez sage, il a dit, à compter d'aujourd'hui, j'arrête toute collaboration avec Emma Dobré, Prod. Ça, c'est sage. C'est une sage décision. Et nous disons que c'est très bien.